So as soon as Noha finishes, we're going to pass the control to Eric. Perfect. Yeah, I'm going to present the slideshow. And so I think I'm going to be speaking first, and I'm going to speak second part. Yeah. But no, but Eric, you're going to be controlling the slideshow. I'm controlling the slideshow, yes. Yeah, okay. And now once we pass the control to you, all you need to do is move the arrows on your keyboard or just click on your mouse. Yeah, perfect. Okay. Did you start? Yes. No questions. So once we are not presenting, should we stop our videos or just like? Yes, that's what we usually do. And also mute your mic, please. Yeah. Yeah, yeah, for sure. Yeah, yeah. Yeah. Yes, what we do is when we're not presenting, we'll stop our video just in case, just to save on the bandwidth. Mm-hmm. Yeah. Sure. Yes. Is this the presentation you will be broadcasting when we first kick off? Yeah, the first few slides is our slide. We're going to do a quick introduction. And then we're going to get to this. And when we get to this one here, well, Noha will give the cue. She will pass the mic to Adele when we get to this slide. To Eric, sorry. Eric will... We'll pass the control to Eric, but you'll be speaking first, right? Excellent. Yeah, absolutely. Yeah. Okay. Perfect. So, okay, good. Adele, where are you? I don't know. Noha, do you think Adele is from where? From North Africa? I think yes, Algeria. Or Tunisia. Tunisia, no. So neighbors. Morocco. Who's next? Morocco. You got it right. Neighbors. They are the same like neighbors. Yeah. I do have an answer to that. I usually say I'm from Moncton, but originally from Morocco. Okay, yeah. That's good. So, every one of you from in New Brunswick, please listen to this carefully. Nohar's son will be attending university in Moncton. Yeah. Whereabout? Is it UDM? Mount Allison. Excellent. Sackville. Sackville, yeah. So he's leaving Ottawa. Now he's in Carleton and he's leaving next year for Mount Allison. He's so excited. I'm not sure why. Super. My brother actually graduated from there. Fantastic little school. Yeah. And I'm teaching at Carleton right now. Oh, really? Noha, it's a great community. I mean, it's a great, nice little town. And Sackville, yeah. It's great. Yeah. Okay, so I'm coming on March to visit for a quick visit to see, but he's so excited, so he starts to pass. It's like well, good. It is 9:00 a.m. in the morning, so we are going to get officially started. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome to today's GTAX webinar. Bonjour, bon après-midi, ou et bonsoir à tous. Bienvenue au webinar du GTAC d'aujourd'hui. My name is Shao Kwan. I am the Vice President of Global Outreach at GTAC. Je m'appelle Shao Kwan et je suis le Vice President de Global Outreach chez GTAC. J'ai le plaisir de vous présenter ma co-animateur, animatrice du webinar d'aujourd'hui, Noha. Famille, Noha, et prendre le contrôle du webinar dont je suis à toi. Oh mon Dieu. Pas de problème, merci Shaw. Bonjour à tous, sabah el khir. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être votre co-animatrice de webinaire d'aujourd'hui sur Venez vivre au Nouveau-Brunswick, présenté par Opportunité Nouveau-Brunswick. Comme Shaw l'avait mentionné, je m'appelle Noha et je travaille avec Shaw dans différents et plusieurs projets qui aident les immigrants et les nouveaux arrivants. Je comprends bien que la plupart, sinon la totalité d'entre vous aujourd'hui, suivent le webinaire de GTAC pour obtenir plus d'informations sur les opportunités d'emploi au Canada et plus précisément au Nouveau-Brunswick. Avant de commencer, je voudrais vous présenter brièvement c'est quoi GTAC.
Alors, GTAC, c'est basé sur des décennies d'expérience et d'expertise dans la gestion des programmes financiers par le gouvernement, service aux nouveaux arrivants. Désormais, GTAC est plus engagé à attirer des talents et à créer un pipeline mondial de talents sur le marché de travail canadien. Nos services et opérations incluent, mais sans illimiter, des webinaires en direct. Connexion d'emploi, formation axée sur la carrière, services de placement, consultation de carrière dirigée par l'employeur et salon de l'emploi en ligne. Je comprends bien que, alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté au webinaire du mardi le 1er février qui était délivré en anglais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter les mêmes informations, mais en français. La présentation sera pour la profession du secteur infirmier. Nous allons vous présenter les emplois que le Nouveau-Brunswick peut vous offrir, comment faire face aux exigences provinciales dans votre carrière en soins et quels sont les différents programmes d'immigration pour bien s'installer au Nouveau-Brunswick. Depuis 2016... Et voilà. Oh non, ça c'est bon. Attendez. Ah. OK. Oh mon Dieu. Pas de problème. One more. Oh. It's OK. Attendez. Ah, voilà. OK, alors, depuis 2016, nous avons construit une plateforme numérique robuste pour partager des informations concernant la vie et le travail au Canada avec les nouveaux arrivants au Canada et à l'étranger. En collaboration avec des partenaires partout au Canada, nous avons pu organiser des webinaires, des mini-événements d'embauche, des salons d'emploi nationaux. Nous avons établi des partenariats avec plus de 20 municipalités, gouvernements, provinciaux et sociétés de développement économique à travers le Canada. Aujourd'hui, c'est un parfait exemple de notre partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est quoi les sujets de nos webinaires? Alors, ils sont tous axés sur l'emploi au Canada. Cela qui commence par la préparation à l'emploi, clinique des résumés et CV, compétences d'entrevue, formation sur le marché du travail et à la rencontre avec l'employeur, y compris les offres d'emploi exclusives. Pour les événements à venir, veuillez s'il vous plaît visiter notre site web. Show va le mettre dans le clavardage maintenant pour plus d'informations. Juste pour vous donner une petite idée, le 8 février, on va animer un atelier sur comment devenir un électricien agréé au Canada. Le 10 février, cheminement de carrière de compétences transférable dans l'industrie de la construction au Canada. Ça, c'est pour notre organisation. Maintenant, je laisse la parole pour l'équipe Opportunité Nouveau-Brunswick pour se présenter et pour vous donner plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, Noha. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Adil El-Mezwari, je suis agent régional d'immigration pour la région du Grand Moncton chez Opportunité Nouveau-Brunswick. C'est un plaisir de vous accueillir. Mes collègues et moi-même sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes là en grand nombre pour en apprendre un peu plus sur la province du Nouveau-Brunswick, mais également sur les cheminements, les critères d'immigration,
et votre chemin potentiel vers, en tant qu'infirmier, infirmière, vers l'arrivée au Nouveau-Brunswick. Notre première phase de présentation vous conduira à travers notre province, vous guidera à travers nos programmes d'immigration, évoquera avec vous les critères d'admissibilité que mon collègue Éric Thibaudeau, ici présent, vous présentera, avant d'accueillir un peu quelques questions et essayer de répondre au meilleur de notre capacité. On va commencer par notre première phase ou première partie de présentation sur la découverte du Nouveau-Brunswick. Parfait. Merci, Adil, pour l'introduction. Charles, je ne réussis pas à partager mon écran. Charles? Yeah. Try, Eric. It says that I can't share when someone else is sharing, so I think you have to stop sharing your screen. No. You can change the slides, not sharing the screen. Put your mouse over the... There you go. Yeah. Okay. Sorry about that. So. Merci. Merci à vous deux. Oui. Bon, nous reprenons. Cette première partie vous conduira à travers la province du Nouveau-Brunswick. Et désolé encore de ce petit incident technique. La province du Nouveau-Brunswick se situe à l'est du Canada. Donc, nous sommes... slide suivant, s'il vous plaît. Nous nous trouvons à la frontière avec les États-Unis, exactement auprès du Maine. Nous avons comme voisins le Québec, l'île du Prince-Édouard, mais également la Nouvelle-Écosse. Nous sommes presque 800 000 habitants au Nouveau-Brunswick, sur un territoire de plus de 70 000 km². Et nous sommes, comme vous le voyez, à une distance d'un pan de l'île du Prince-Édouard et toutes ces belles provinces autour de nous, mais également nos voisins américains du Maine. Nous sommes la seule province officiellement bilingue au Canada, français-anglais. Bon, ça ne signifie pas que tout le monde parle français et anglais, mais vous pouvez vivre en français à peu près où vous voulez au Nouveau-Brunswick et vous avez droit à accéder à tous les services publics dans la langue de votre choix, y compris en français. Notre typologie de ville, nous sommes des petites communautés, donc un mélange de villes à taille humaine et aussi des petites collectivités à la fois rurales ou urbaines. En parlant de bilinguisme, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le tiers des nouveaux néo-brunswickois sont francophones et les deux tiers sont anglophones. Juste pour vous donner une idée sur la proportion en tout cas l'importance du Nouveau-Brunswick et de cet aspect bilingue. Notre province est d'une beauté extraordinaire. Si vous pouvez voir des baleines, voir des paysages extraordinaires, des plages à couper le souffle, des falaises également, nous sommes vraiment géographiquement, en tout cas dotés d'une nature exceptionnelle. On le disait tout à l'heure, nous sommes un beau mélange de villes et villages, qu'il s'agisse de Moncton, d'Edmundston, de St. John, Fredericton, qu'on appelle aussi la petite Ottawa. Nous avons des communautés, des villes très belles à visiter, des petites villes également et des plages aussi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, voilà, donc on va passer... en revue avec vous quelques villes avec quelques caractéristiques. Ça vous donnera une idée de où vous projetez par rapport à votre destination au sein du Nouveau-Brunswick. La ville de St. John est un petit peu la capitale industrielle. Donc, c'est la première ville à avoir été constituée comme municipalité dans tout le Canada et également le port le plus important du Canada atlantique. La ville de Moncton, que j'ai le plaisir de servir en tant qu'agent régional, c'est le centre commercial de la province, donc c'est la région la plus diverse culturellement, mais aussi très active en termes de culture, de musique, de festivals et carnavals. Fredericton est un peu la capitale institutionnelle, politique de la province. Fredericton est séparé en nord et sud par la rivière, ou en tout cas le fleuve Saint-Jean, et c'est un carrefour pour les entrepreneurs du secteur de la haute technologie, de la cybersécurité et ces aspects-là.
Des villes un petit peu de taille plus moyenne. On vous a exposé un petit peu les trois cités les plus importantes de la province, mais vous avez également Edmundston, qui est un très, très beau, qui est un très beau paysage, également à la frontière avec les États-Unis, pas loin du Québec. Bathurst, Miramichi, Campbellton, toutes des communautés aussi accueillantes l'une que l'autre et francophones pour la plupart. Là encore, on passe des villes les plus grandes aux communautés moyennes à des collectivités plus petites, mais pas moins dynamiques. Shediac, qui est pas loin de Moncton, qui est sur au bord de l'eau. St. Andrews, qui est un site touristique assez intéressant, avec, en tout cas, c'est notre station balnéaire à nous au Nouveau-Brunswick. Woodstock, qui est en tout cas au cœur d'une communauté rurale assez dynamique. Et Caraquet aussi, qui regorge de plein d'atouts. Donc, toutes ces communautés, peu importe leur taille, sont aussi accueillantes l'une que l'autre. Next slide, please. Toujours dans les petites collectivités dynamiques, Saint-Léonard, Kedgwick, Vinner, vous avez vraiment, entre guillemets, à boire et à manger. Réfléchissez bien où vous voulez être, selon votre configuration familiale, selon d'où vous venez. Souvent, on nous dit qu'il est difficile pour quelqu'un qui vient d'une grande agglomération de s'intégrer dans une petite collectivité. Bon, c'est discutable, mais là encore, dépendamment de vos aspirations, de votre configuration familiale, de vos envies, le Nouveau-Brunswick a vraiment beaucoup d'atouts, quelle que soit la taille de la communauté à laquelle vous pensez. Alors justement, où que vous allez au Nouveau-Brunswick, quelle que soit la taille de la communauté que vous ciblez, vous aurez la même qualité de vie. Sur la qualité de vie, on va passer en revue quelques données, quelques informations. La semaine de travail au Nouveau-Brunswick est de 40 heures par semaine. Vous avez, en tout cas, compte tenu de... Il est difficile de voir un bouchon au Nouveau-Brunswick, il y en a quand même, et nous sommes suffisamment disciplinés pour les vivre de façon décente. Donc, le navetage est rapide, si vous voulez. Donc, en tout cas, bouger d'une ville à l'autre ou au sein de la même ville, de la périphérie au centre, est relativement facile. Le mode de vie équilibré entre travail et vie personnelle est extrêmement important. Donc, le mode de vie est très avantageux. Ça vous permet de, tout en travaillant et d'avoir une stabilité professionnelle, d'avoir une vie personnelle, familiale équilibrée, avoir des amis, avoir une vie sociale à l'extérieur du travail, par le fait que les trajets sont réduits, comme nous le disions. Nous avons un sentiment de sécurité, un très faible taux de criminalité dans toute la province. Notre environnement est très propre, donc nos industries sont pour la plupart responsables. Les espaces verts sont disponibles partout, donc ça, c'est des atouts en tout cas et des arguments en faveur d'un équilibre travail, vie personnelle, vie professionnelle. Vous vous posez certainement des questions sur le coût de la vie. On vous propose ici un comparatif. Si vous voulez acheter un logement au Canada, il va falloir se préparer à dépenser en moyenne presque 700 000 $ canadiens. Au Nouveau-Brunswick, un logement moyen coûte environ 262 000. Il faut prendre note et prendre en compte que les prix ont augmenté partout au Canada et que l'augmentation au Nouveau-Brunswick n'est pas très différente, en tout cas, de l'augmentation partout au pays. Donc, ces chiffres-là ont légèrement augmenté. Mais le Nouveau-Brunswick continue à être très compétitif, très accueillant quand il s'agit des coûts des logements auxquels vous pensez. Si on prend une comparaison, donc on disait que le Canada, c'est 700 000 à peu près en moyenne, ça dépasse le million de dollars à Toronto. À Calgary, en Alberta, c'est 443 000 et quelques dollars. Et Vancouver, c'est largement au-dessus avec 1 200 000 presque. Donc vous voyez que le Nouveau-Brunswick continue à être très compétitif s'agissant des prix des logements. Et justement, si on parle du Nouveau-Brunswick et on décline un petit peu cette moyenne de 270 000 sur quelques régions, donc à Fredericton, la moyenne est de 242 000. C'est à Moncton où le coût moyen d'un logement est le plus élevé à 287 000. Pour St. John, c'est 240 000 à peu près. Et pour le nord du Nouveau-Brunswick, la moyenne est d'environ 160 000 pour un logement. Alors, on vous a choisi quelques des exemples, en tout cas, de maisons.
vous voyez un petit peu à l'écran, il y a des outils en ligne pour aller voir un petit peu toutes les caractéristiques de toutes les maisons, appartements, dépendamment de la ville dans laquelle vous cherchez. Vous avez là une panoplie allant de un petit peu moins de 200 000 à quelque chose qui va vers la moyenne à 240 000 jusqu'à quelque chose qui dépasse la moyenne à 320 000. Ça vous donne une idée un petit peu sur... on vous encourage vraiment à aller magasiner, comme on dit, à aller vous informer davantage sur tous les outils qui existent en ligne pour un petit peu savoir à quoi s'attendre en arrivant au Nouveau-Brunswick et vers quoi vous souhaitez vous projeter. Les soins de santé, quelque chose à laquelle beaucoup pensent avant de changer d'environnement. Notre régime provincial offre une couverture médicale à tous les résidents par le biais de l'assurance maladie. Dans le cadre de votre emploi, mais également des fois par des démarches personnelles, vous pouvez, et il est fortement recommandé d'avoir un régime privé, surtout pour améliorer un petit peu votre couverture, avoir accès à des soins dentaires, à des soins de la vue, à de la kinésithérapie, à des soins parallèles et paramédicaux. Donc, il est important d'avoir un régime privé, qu'il s'agisse d'un régime, en tout cas offert dans le cadre d'un emploi ou un régime auquel vous souscrivez vous-même, pour compléter un petit peu les services publics qui sont offerts par le biais du régime provincial. Vous avez certainement en tête aussi des questions, des préoccupations ou en tout cas une curiosité par rapport au système d'éducation si vous avez des enfants. L'éducation publique est offerte à tous les enfants sans aucun frais d'inscription. Le système de scolarité est obligatoire, en tout cas pour les enfants de 5 à 18 ans. L'apprentissage est bilingue. Vous pouvez choisir pour vos enfants de les inscrire dans la langue de leur choix, dépendamment de certains critères, ça dépend des districts. À vous de vous renseigner là-dessus, s'il vous plaît. Il y a des districts scolaires et francophones et anglophones, dépendamment de où vous comptez vous établir. Et ces districts bilingues sont présents dans toute la province. Pour les études postsecondaires ou universitaires ou collégiales, vous avez 5 universités anglophones et une université francophone. Vous avez des écoles professionnelles, des écoles de métiers, des collèges techniques dans les deux langues et dans toute la province. Alors, l'excellence en éducation est vraiment une marque de fabrique de la province du Nouveau-Brunswick. Les villes de Fredericton et St. John accueillent l'University of New Brunswick, en anglais, Mount Allison University, et en tout cas offrent un très, très beau cadre à la petite communauté de Sackville. St. Thomas University aussi est vraiment très réputée, très accueillante. L'université de Moncton, avec ses 3 campus, Moncton, Edmundston et Chipagan, offre toute une panoplie de programmes à votre disposition. Et vous avez également les CCNB, les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, francophones et anglophones, offrent presque une centaine de programmes et sont présents dans vraiment quasiment toute la province sur 11 campus. Alors, vous vous posez la question, vous êtes dans un métier relativement ciblé, donc vous avez plus ou moins une idée sur... quels sont les employeurs potentiels, mais il est important de noter que le Nouveau-Brunswick a quand même un écosystème entrepreneurial assez intéressant avec des entreprises assez bien établies. Certaines sont locales, elles ont grandi avec le temps, d'autres sont internationales et se sont établies chez nous. Cook Aquaculture est très renommée, Xerox, UPS, Siemens, toutes les banques, quasiment notamment la banque TD, a un hub d'activité au Nouveau-Brunswick qui est important. JDI Irving, qui est quand même très réputé, qui est un de nos porte-drapeaux. Donc, en tout cas, vous avez tout un ensemble d'entreprises au Nouveau-Brunswick qui font un petit peu l'écosystème entrepreneurial. S'agissant de la santé, vous avez 2 grands réseaux, Vitalité et Horizon, avec tout un ensemble aussi d'acteurs capables d'être des cibles pour vous. Par rapport au secteur, puisqu'on parle d'économie ici et des industries principales, la foresterie est une de nos industries essentielles. Nous avons beaucoup d'activités dans l'extraction minière. L'agriculture également fait partie de nos marques de fabrique. Avec un littoral assez riche, la pêche est évidemment une de nos activités phares. Et vous avez aussi le secteur manufacturier, industriel, avec de la fabrication, notamment dans le hub industriel de St. John.
Il y a des secteurs qui sont très en demande au Nouveau-Brunswick. On avait tout à l'heure parlé de Fredericton avec l'évolution du secteur de l'informatique. Donc, les technologies de l'information, la cybersécurité sont assez demandées. Le transport et la logistique sont des métiers qui sont très demandeurs aussi. Les services de la santé, comme vous pouvez l'imaginer, sont en demande. La fabrication, l'industrie et la transformation agroalimentaire est également très en demande. Avec ça, j'espère que ça vous a donné une idée assez aussi générique que précise sur qui nous sommes, sur la province du Nouveau-Brunswick, sur comment nous sommes accueillants. Nous avons hâte de vous voir chez nous. Merci de considérer le Nouveau-Brunswick comme votre prochaine destination, comme votre prochaine maison. Et je passe la parole à mon collègue Éric Thibaudeau pour vous passer un petit peu au travers de nos programmes provinciaux d'immigration. Merci encore de votre attention et au plaisir de répondre à vos questions un peu plus tard. Merci beaucoup, Aziz, pour cette belle présentation. Puis, c'est vraiment une belle province qu'on vit dedans. On ne peut pas nier cet effet-là. Et puis, on est content que vous êtes ici aujourd'hui en tant qu'intéressé par la province pour vos projets d'immigration. J'aimerais juste commencer par dire que l'information qu'on véhicule aujourd'hui est exacte en date du moment qu'on se parle, mais c'est un environnement qui est toujours changeant, donc il faut toujours s'assurer de garder au fait des différents règlements dans l'immigration tout au long du processus, vous assurer que vous êtes toujours dans les paramètres qui vous mettent éligible pour immigrer. Donc, on va parler d'immigration au Nouveau-Brunswick. Comment on fait pour immigrer au Nouveau-Brunswick? Bon, les volets offerts, c'est qu'on a trois volets principaux. Le programme d'immigration au Canada Atlantique, on a plus d'informations à venir bientôt. On ne s'attendra pas beaucoup parce que les protocoles d'entente ne sont pas tout à fait finis encore avec l'IACC et la province. On vous inviterait à regarder souvent sur notre site Internet, welcomenv.ca, pour avoir les informations quand ils vont sortir. Ça devrait être dans les prochaines semaines qu'on va avoir plus d'informations. On a aussi le programme Les candidats de la province, PCP, avec soutien des employeurs. Et on a l'entrée express, programme Les candidats de la province, le volet marché du travail. Tout projet d'immigration pour être considéré par la province de Nouveau-Brunswick, il faut que les candidats soient prêts à la résidence permanente. Donc, il faut que tous les documents soient assemblés et traduits dans une des langues officielles du Canada, le passeport, le certificat de naissance, la carte nationale, d'identité nationale, le livret de famille, et tous les documents qu'on peut vous demander. Il faut que ça soit traduit dans une des deux langues officielles du Canada, qui est le français ou l'anglais. Les documents ont besoin d'être traduits tout en français ou tout en anglais. Si vous en avez qui sont disponibles en anglais, il est disponible en français aussi, mais il faut que ce soit dans une des deux langues officielles. Il faut avoir aussi fait l'équivalence des diplômes, l'équivalence des études par un organisme désigné par le fédéral, le gouvernement fédéral IRCC. Il y a le WES, W-E-S, World Education Services, il y a l'ICAS, il y a l'Université de Toronto. C'est tout disponible. Les cinq entités sont disponibles sur les pages d'IRCC. Il faut aussi avoir une évaluation des compétences linguistiques acceptées par Immigration Réfugiés Citoyens Canada. Donc, c'est soit le IELTS, le TCF, le CELPIP. C'est ça les entités reconnues pour avoir des compétences linguistiques reconnues pour les programmes d'immigration. Le niveau que vous atteignez, on va en parler plus tard dans les programmes. Puis, il faut avoir aussi l'expérience de travail validée par une lettre de référence selon la Code nationale des classifications des emplois, la CNP, Code nationale des professions. On va commencer avec le programme des candidats des provinces du Nouveau-Brunswick. Le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, l'entrée express et l'initiative stratégique Nouveau-Brunswick qui est seulement pour les francophones. Bon, le volet des travailleurs qualifiés, il faut avoir entre 19 et 55 ans. Il faut avoir un niveau de compétence linguistique canadien de 4 et plus.
il faut avoir au moins un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Puis ça, ce n'est pas nécessairement pour les fins de votre profession, c'est vraiment pour rencontrer les critères de IRCC. L'IRCC demande que tout immigrant économique ait un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent. Il faut que vous ayez une offre d'emploi une offre d'emploi à un poste permanent au Nouveau-Brunswick dans la code CNP admissible ou ABC ou DIT. Dans votre cas, ça va être B ou C, dépendamment si c'est une infirmière, infirmière ou auxiliaire. Ça fait que c'est tout disponible. Avoir au moins une année d'expérience professionnelle se rattachant à l'offre d'emploi au cours des 5 dernières années. Avoir l'intention de vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est très important parce que nos candidatures sont limitées. On a un X nombre de certificats donnés dans une année. Puis si 50% s'en allent au Québec ou en Ontario, ben c'est pas intéressant pour la croissance démographique de la province. Puis c'est ça le but des programmes d'immigration. Il faut avoir un score de 60 sur 100. Donc, par exemple, si vous avez entre 19 et 22 ans, vous allez avoir 4 points. Si vous avez entre 19 et 24 ans, vous allez avoir 4 points. Si vous avez entre 25 et 45, vous allez avoir 12 points. Ça fait que c'est important. Puis il faut atteindre le seuil minimum de 60 points. Une fois que vous avez 60 points, ce n'est pas une compétition. Si vous avez 60 points, si vous avez tous les autres prérequis, vous n'êtes pas obligé à ce moment-là de faire un deuxième test de langue ou de même vous qualifier pour le programme. Donc, ça, c'est juste un peu la timeline de la procédure. Il faut faire ton expérience de travail qualifiée avant. Il faut avoir une lettre de recommandation de votre ancien employeur. Il faut trouver un employeur au Canada qui va soutenir votre demande. Il faut faire la création d'un profil INB. Faut faire une demande de visa pour venir travailler avant d'avoir la résidence permanente. Après ça, vous allez avoir une évaluation. La réception d'une invitation à présenter une demande. Une vérification médicale. Décision du bureau de visa. Puis la résidence. Dans le volet entrée express, vous voyez que ça change un petit peu, c'est de 22 à 55 ans. Le niveau de compétence linguistique canadien est du niveau 7. Puis ça, c'est la raison principale, c'est qu'on accepte juste les CNP de O, A ou B. Donc, c'est des CNP un peu plus hautement qualifiés, donc on s'attend que le niveau de langue corresponde à l'emploi ou à l'offre d'emploi. Avoir encore là au moins un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Ça demande une preuve de fond. C'est assez important. On parle de 12 à 13 000 pour la première personne, puis environ 4 000 piastres de plus pour chaque personne qui va suivre. On faut vouloir vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Mais là, vous avez remarqué, ça prend une note de 67 sur 100 points. Ce qui est intéressant du volet de l'entrée express, c'est que ce n'est pas un programme en soi qui stand-alone. Ce n'est pas un programme qui est unique. Il faut vraiment, pour avoir accès à ce programme-là, il faut créer un profil d'entrée express. Il faut créer un profil d'entrée express fédéral. Vous allez avoir des points. Ensuite, vous allez prendre votre numéro d'entrée express fédéral. Vous allez créer dans INB une demande d'entrée express de la province de Nouveau-Brunswick. Si vous qualifiez, si vous faites les 60 points, ça vous donne 600 points de bonus à votre score fédéral. Et puis, si c'est rattaché à une offre d'emploi, on peut aller voir, puis vous retirer du bassin, puis faire une offre d'emploi direct pour un permis de travail. Encore là, c'est juste le flow chart. Là. Le volet de l'initiative stratégique francophone. Ça, c'est une initiative qui est venue en raison d'être parce que la population francophone dans la province était décroissante pendant plusieurs années. Donc, on a facilité un peu l'entrée des candidats francophones. Il faut avoir entre 19 et 55 ans. Il faut avoir un niveau de compétence linguistique canadien de 5 et plus en français. Donc, si vous avez 5 et plus en anglais, mais ça ne marche pas vraiment. Ça fait que vraiment que ce soit dans par une des institutions francophones qui évaluent les capacités linguistiques. Il faut avoir au moins un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent encore, ça c'est pour tous les programmes. Il faut avoir une offre d'emploi permanente au Nouveau-Brunswick
dans un code admissible, donc le OA, B, C ou D pour certaines affections. Avoir au moins une année d'expérience. Oups, comment ça fait ça? Avoir au moins une année d'expérience professionnelle sur l'attachement à l'emploi dans les cours des 5 dernières années et avoir l'intention de vivre et travailler au Canada, puis d'avoir 65 points sur ça. Oups, c'est pas ça. Ah. Reformer le chat. OK, parfait, merci. 65 points. Juste pour le temps. Ça, c'est, cette diapositive-là, c'est vraiment pour, juste pour faire une comparaison entre les deux, entre les trois programmes. Vous voyez, 19 à 55, 22 à 55, 19 à 55. NCLC de 4, de 7 et de 5, dépendamment des décisions de tâche et des codes CNP. L'équivalent du diplôme canadien, c'est pareil pour tous les programmes. L'expérience professionnelle, au moins un an dans les derniers 5 ans, validée par une lettre de recommandation. Il y a des exceptions avec les étudiants internationaux, mais on n'embarquera pas là-dessus. Offre d'emploi n'est pas nécessaire pour l'entrée express. Il n'est pas nécessairement nécessaire pour l'initiative stratégique non plus. Les fonds d'établissement ne sont pas nécessaires pour des programmes, certains programmes si on a une offre d'emploi ou si on travaille déjà. Au Nouveau-Brunswick, on est vraiment bien nati au niveau des organismes qui viennent en aide aux personnes immigrantes. Il y a 17 organismes en anglais, français ou bilingue à travers la province qui vont aider aux nouveaux arrivants à s'établir dans la région. Leur tâche principale, c'est de donner des renseignements et l'orientation aux nouveaux arrivants pour qu'ils puissent intégrer la communauté de façon plus facile. D'offrir des sessions de langage, soit des tables rondes, des cours, mais pas nécessairement des cours officiels en français ou en anglais pour pouvoir mieux intégrer à la communauté. Ça, c'est autant pour le conjoint-conjoint que ce serait pour les, tous les membres de la famille. On fait aussi ils font aussi l'aide à la recherche d'emploi. Donc, le conjoint qui accompagne a accès à ces services-là pour justement peut-être trouver un emploi plus facilement dans la communauté. Mais le plus important, c'est les activités sociales et familiales que ces organismes organisent. Ça vous permet de créer vraiment un réseau social dans un temps beaucoup plus raccourci que si vous ferez seulement à partir de vos connaissances de travail ou peut-être les activités scolaires. Ça fait que c'est vraiment important de participer à ces organismes-là. C'est ça. Si aussi que vous avez des questions au niveau de la possibilité d'emploi, vous pouvez toujours visiter www.emploinb.ca. Notre site web www.bienvenue.ca explique en détail tous les programmes d'immigration et tous les avantages de venir au Nouveau-Brunswick. Puis si vous avez des questions qui ne sont pas répondues dans ces deux places-là, on peut écrire à immigration@gnb.ca, puis il y a un agent d'immigration qui va vous contacter pour répondre à vos questions. Merci, Eric. Et est-ce que je peux demander le contrôle des diapos, s'il vous plaît? Je fais ça comment, non? Je crois que c'est les organisateurs. Okay. Could I ask for control of the slideshow? Yeah, we're moving it to you now, Matt. Thank you. Yeah. So just click, put your mouse over the, there you go. Is that you? No, that's not me. Oh, somebody's changing the slides. Is that you? It might be me now. I think it's me now. Okay, merci. Yeah. Okay. Bonjour tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Matt Rushton et je suis du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick et j'ai le plaisir de vous présenter le service d'orientation établi par le gouvernement pour les infirmières et les infirmiers formés à l'étranger ou bien formés à l'extérieur du Canada, ce qu'on nomme les IFE.
Je vais éteindre ma caméra pour que vous puissiez concentrer sur la diapo, mais je vais la rouvrir pour la période des questions. Le service d'orientation des IFE est là pour aider ceux qui cherchent à exercer en tant qu'infirmière immatriculée ou auxiliaire au Nouveau-Brunswick. Ça leur aide à se connecter avec les services d'évaluation requis pour faire examiner leur titre de compétence. Ça leur aide à s'inscrire à tous les cours de mise à niveau requis et ça leur aide à se connecter avec des employeurs au Nouveau-Brunswick. Faire transférer des diplômes professionnels d'un pays à un autre peut être une tâche ardue. Il faut souvent s'engager avec une variété d'organismes de réglementation, d'établissements de formation, d'anciens employeurs et d'autres intervenants au cours du processus. En reconnaissant ces défis, même pour les personnes les plus motivées, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a de nombreuses initiatives conçues pour aider ceux qui cherchent à faire reconnaître leur formation et leur expérience antérieure à pratiquer dans leur domaine professionnel ici au Nouveau-Brunswick. L'une de ces initiatives est le service d'orientation. Au Canada, les soins de santé entreprennent une approche d'équipe. Cela peut souvent impliquer un large éventail de professionnels hautement spécialisés, tous travaillant pour fournir les meilleures solutions holistiques aux besoins de patients individuels. Les infirmières, à divers niveaux, assument un rôle très important. Au Canada, les soins infirmiers sont divisés en désignations spécifiques, infirmières immatriculées, infirmière auxiliaire autorisée et préposée aux soins personnels. Les infirmières et les infirmiers immatriculés et les infirmières et les infirmiers auxiliaires autorisés sont des professions réglementées au Canada. Au Nouveau-Brunswick, il existe des associations distinctes qui maintiennent une adhésion de personnes qui sont admissibles à exercer chacune de ces professions dans la province. Une partie du processus implique de répondre aux critères que ces associations ont établis à des fins d'octroi de licence. Par contre, les préposés au service de soutien à la personne ne sont pas une profession réglementée au Nouveau-Brunswick et n'ont pas besoin d'un processus complet d'évaluation des types de compétences pour que la personne puisse exercer sous ce titre. En règle générale, ces postes sont dans des établissements de soins de longue durée en tant que préposés aux résidents et dans certains cas, des établissements de soins actifs impliquant les besoins quotidiens des patients pendant leur traitement. Pour les infirmières immatriculées et les infirmières auxiliaires autorisées, afin de bien comprendre le processus d'inscription d'un infirmier pour exercer au Nouveau-Brunswick, il est plus facile de le considérer comme une série d'étapes, avec chaque étape menant à la prochaine. Le tout commence par un rapport consultatif, le SNEI, et se termine par un examen réglementaire, soit le NCLEX ou le CPNRE et le permis d'exercice. En utilisant le service d'orientation des IFE, nous pouvons vous aider à commencer à comprendre quelles sont les étapes et comment elles se déroulent. Chaque étape comporte un certain nombre de tâches qui doivent être accomplies et soumises avant de passer à la suivante. Alors, en examinant chaque tâche, on commence à mieux comprendre comment procéder tout au long du processus. Le rapport du SNEI est toujours la première étape pour une infirmière ou infirmier souhaitant de travailler comme infirmière immatriculée au Canada. Ce rapport consultatif
est essentiellement une vérification de vos titres de compétences et une comparaison de vos antécédents complets avec ceux d'une infirmière formée ici au Canada. Une fois terminé, le SNEI enverra les résultats à l'organisme de réglementation provinciale du Nouveau-Brunswick. Ici, l'organisme de réglementation des infirmières immatriculées est l'Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick. Et pour les infirmières auxiliaires autorisées, c'est l'Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick. Alors, pour répéter, deux organismes séparés. Afin d'obtenir un rapport consultatif du SNEI, le candidat dépose sa demande directement par la voie du site web du SNEI. Le dossier de demande comprend toutes les pièces justificatives, c'est-à-dire tous les dossiers d'emploi dans le domaine des soins infirmiers, les résultats des tests de langue, soit le TEF Canada ou le TCF pour le Canada, ainsi que tous les dossiers de formation postsecondaire, les certificats, les diplômes et les relevés de notes. C'est à noter que tous ces documents traitant de votre éducation ou formation professionnelle doivent provenir directement de l'institution. C'est à savoir que le SNEI ne reconnaît pas les évaluations WES, par exemple, ou autres évaluations de diplômes d'études déjà complétées. Le service d'orientation des IFE recommande normalement que tous les candidats au SNEI postulent pour le double rapport consultatif en tant qu'infirmière immatriculée et en tant qu'infirmière auxiliaire autorisée. Cela offre la meilleure couverture globale de votre formation actuelle par rapport au champ de pratique au Canada, et cela vous permettra d'avancer plus rapidement si votre évaluation est plus favorable dans une catégorie que dans l'autre. En plus de déposer une demande auprès du SNEI, l'infirmière ou l'infirmier doit déposer une demande auprès de l'organisme de réglementation. Une fois que vous leur avez reçu les résultats du rapport consultatif du SNEI, l'organisme vous informera de leur décision concernant les prochaines étapes. Les résultats du rapport consultatif indiqueront équivalent ou non équivalent. Sur la base des résultats du rapport, l'organisme de réglementation déterminera quelle formation supplémentaire est nécessaire pour répondre aux exigences de licence et peut recommander une autre évaluation des titres de compétences qui indiquera quel cours et potentiellement quelles classes cliniques doivent être suivies. Pour la plupart des infirmières et des infirmiers, le rapport consultatif du SNEI va identifier les domaines spécifiques où une formation supplémentaire spécifique au champ d'exercice au Canada qui devront être abordés avant d'exercer la profession. Dans de rares cas, la possibilité existe de passer directement à l'octroi de permis à exercer. Pour certains candidats, le rapport du SNEI peut indiquer des différences importantes entre la formation qu'ils ont déjà suivie et ce qui est requis pour exercer au Canada. Dans ces cas-là, l'organisme de réglementation vous informera qu'un programme complet de recyclage sera nécessaire. Dans ces cas, le candidat serait admissible au programme tel que décrit, mais uniquement dans le cadre de la pratique de préposé au service de soutien à la personne et non pas en tant qu'infirmier ou infirmière autorisée ou immatriculée.
Les résultats de l'évaluation détermineront combien et quels cours de mise à niveau devront être suivis par le candidat. Au Nouveau-Brunswick, le programme de mise à niveau est offert par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Chaque cours a des dates de début tout au long de l'année et la majorité du programme est couverte par une prestation en ligne dirigée par un instructeur. Certains cours de pratique clinique exigeront pourtant que vous soyez sur place en personne. Pour les candidats en soins infirmiers immatriculés, une évaluation de compétences cliniques de 2 à 4 jours pourrait vous être obligée avant de poursuivre des cours de mise à niveau, et cela serait effectué à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Une fois que tous les cours obligatoires soient réussis, l'organisme de réglementation autorisera le candidat à passer l'examen national requis, soit le NCLEX ou le CPNRE. Cet examen est une licence d'exercice et non une évaluation de type de compétence. En tant que tel, si vous avez passé avec succès ces examens dans le passé, ça veut dire après l'année 2015, vous ne serez pas obligé de le réécrire, mais vous devrez quand même remplir toutes les exigences décrites précédemment et être enregistré avec succès auprès de l'organisme de réglementation avant de pouvoir être employé comme une infirmière autorisée ou une infirmière immatriculée au Nouveau-Brunswick. Les infirmières et les infirmiers qui souhaitent entreprendre le processus de reconnaissance des types de compétences au Canada devraient estimer un délai de 10 à 29 mois pour terminer leur inscription au Nouveau-Brunswick. Et le coût total pour la reconnaissance des types de compétences variera en fonction de la profondeur de la formation et de l'évaluation des lacunes requises, allant d'environ de 5 000 $ canadiens jusqu'à 12 600 $ canadiens. En plus d'aider à surmonter les obstacles et à fournir des conseils directionnels, le service d'orientation des IFE peut également aider à établir des liens avec l'aide financière pour les candidats inscrits au processus, y compris le remboursement du rapport SNEI et la demande au conseil de réglementation. Une fois qu'on est devenu résident permanent du Canada, l'infirmière ou l'infirmier pourrait avoir accès à des micro-prêts disponibles par l'intermédiaire de la Société multiculturelle du Nouveau-Brunswick pour des montants allant jusqu'à 15 000 $ canadiens. En plus, il y a du financement supplémentaire pour les cours de mise à niveau requis. Oh, je dois retourner. Voilà. Et pour contacter le service d'orientation, voici notre adresse courriel, IENIFE navigation. Il n'y a pas de point. Je vais copier l'adresse correcte dans le chat dans juste quelques moments. Alors, c'est tout pour ma présentation. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Matt. Merci pour toute l'équipe pour ces informations très précieuses qui vont sans doute aider à prendre les bonnes décisions. Alors maintenant, on passe à la période des questions. Moi, je vais dire les questions. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Sinon, vous avez les courriels, les sites web, là où vous pouvez avoir des réponses. Moi, je vais commencer par une question qui dit « Je suis infirmière diplômée au Cameroun. J'ai déjà le TCF et j'attends l'évaluation. J'aimerais savoir quel est le programme le plus rapide pour moi. »
Ça, c'est une très bonne question, mais une question qui n'est pas très facile à répondre. L'immigration et même la reconnaissance des compétences n'est jamais un processus dit rapide. Donc, ça peut prendre au moins un an pour compléter tout le processus d'immigration. Et le processus de reconnaissance des compétences peut prendre une longueur égale, mais ça peut être même plus long. Alors, le but, c'est de commencer les deux processus en parallèle. Donc, il ne faut pas attendre à aborder le processus de reconnaissance. Il ne faut pas attendre que vous avez déjà passé parmi tous les processus d'immigration. On peut commencer à aborder les deux processus en même temps. Et ça, c'est la réponse la plus précise que je peux donner parce que chaque cas est différent. Merci beaucoup. Alors, une question qui a été répétée plusieurs fois, est-ce que cette session sert à présenter une demande d'intérêt à la province? Non. Non. Question pour M. Matt. Y a-t-il une chance pour qu'un médecin généraliste étranger puisse postuler de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, travaille comme étant aide-soignant ou préposé aux bénéficiaires, et comment il peut postuler et où, car j'ai pas mal de fois essayé, pas de retour. Donc, étant médecin formé à l'extérieur du Canada, c'est un grand défi d'arriver au point de pratiquer comme médecin au Canada. Donc, j'imagine que c'est pourquoi la personne demande auprès de la possibilité de travailler en tant que préposé ou dans un autre domaine lié à la santé. Dans ce cas-là, j'imagine que la façon la plus directe, ça serait de vous engager avec un employeur au Canada et passer à travers un des programmes d'immigration dont Eric a parlé, soit le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, soit le programme Atlantique en immigration. À part ça, le service d'orientation, c'est vraiment ciblé aux infirmières et infirmiers. Alors, pour les médecins, je peux vous donner des informations pour contacter nos collègues qui traitent des médecins formés à l'extérieur. Et je vais mettre ces informations. Je vais demander au monsieur de nous contacter à travers l'adresse que je vais ajouter au chat, le IENEFI. Je vais taper. Si je peux juste ajouter, Matt, au niveau du downgrading pour un médecin, pour aller vers une infirmière, infirmière, et particulier ou bien on préposé aux soins, c'est plus possible. On le permet pour les infirmières de devenir préposées en attendant de faire leur mise à niveau. Mais pour les médecins, le transfert de connaissances n'est pas nécessairement là. Donc, c'est pas un avenue qui est acceptable. Peux-tu mieux expliquer le concept de downskilling ou downgrading? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on permet aux infirmières immatriculées dans leur pays de faire, c'est de faire une régression au niveau des tâches. Donc, de devenir préposé aux soins ou infirmière auxiliaire en attendant qu'ils font une remise à niveau. Quand on parle de downskilling, c'est vraiment de prendre quelqu'un qui est immatriculé puis la permettre de travailler au niveau de préposé. Parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment transférables. Tandis qu'un médecin, le métier de médecin et le métier d'infirmière, quoi que c'est en santé, c'est pas nécessairement la même chose. C'est plus le transfert des connaissances n'est pas reconnu, donc vous ne pouvez pas utiliser votre expérience de travail comme médecin pour appliquer pour un poste de préposé ou d'infirmière auxiliaire ou même infirmière. OK, merci beaucoup.
Quel est l'âge demandé en tant qu'une infirmière? Comme j'ai mentionné dans la présentation, tous les programmes sont éligibles soit de 19 à 55 ans ou, ben non, dans le cas d'Entrée Express, c'est 22 à 55 ans. Ça vous donne juste des points de plus quand vous êtes dans une certaine catégorie d'âge. Encore plus réel pour Entrée Express parce que c'est quasiment toutes les années ou deux ans de vie de plus, on perd un point. Ça fait que si vous appliquez à 24 ans, vous risquez d'avoir, mettons, 15 points, mais si vous appliquez à 55 ans, vous allez peut-être avoir un point. Mais il n'y a pas d'âge spécifique. OK, merci. Alors, on a quelqu'un ici qui vient de Québec et veut s'installer à New Brunswick. Je suis une infirmière au Cameroun. Avec 7 ans d'expérience, j'ai le TCF Québec et mon évaluation de diplôme WES. J'ai plusieurs fois essayé l'inscription avec le New Brunswick, mais sans succès. Alors, normalement, le temps pour traiter le FOIL. Alors, il y a ici beaucoup de questions qui se posent pour le temps. En fait, c'est une question qui est très difficile de répondre au moment qu'on se parle parce que à chaque nouvelle variante de la COVID, les périodes de traitement changent. On est aussi vraiment tout de suite, il y a des délais avec le portail de IRCC qui fait en sorte que les nominations tardent un peu plus à venir. On a un gros volume aussi de candidats. On fait l'acheminement des CV selon la permission des candidats, mais on fait l'acheminement des CV vers des centres qui seraient possibles de vous donner des offres d'emploi qui seraient à ce moment-là un lien pour le Nouveau-Brunswick. Mais c'est vraiment difficile à dire. En fait, c'est impossible de dire le délai de traitement. OK. Alors, ici encore, il y a beaucoup de questions qui demandent sur où peut-on trouver les offres d'emploi. Et j'imagine que Sho a mis un site web. Alors, allez chercher cette information sur ce site web. Sho, if you can, like, put the website for employment. Again, or for the government of New Brunswick, so that would be great. Okay. Beaucoup de questions, ça vient ça tourne sur la même chose. Mon profil étudiant international vivant au Québec, titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de vie au Cameroun et ayant plus de 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine, dont plus de 18 mois au Québec comme préposé aux bénéficiaires, préposé aux bénéficiaires formés sur le tas pendant la pandémie. J'ai reçu quelques formations du gouvernement et j'ai des documents pour l'attester. Je suis actuellement étudiant en informatique, mais je suis dans une situation où je me rencontre que j'aime beaucoup mieux mon travail de préposé aux bénéficiaires. C'est ce que je souhaite faire comme travail. Je suis très formée. Alors, que dois-je faire? Alors... En fait, on s'est entendu qu'on ne répond pas de questions personnelles, et puis ça, c'est une question qui est très personnelle. Donc, je vous inviterai à écrire votre question à immigration@gnb.ca, puis un officier va vous répondre en privé. Très bien. Matt, vous voulez ajouter quelque chose? Ah non, je voulais juste dire en tant que préposé, donc il ne s'agit pas de suivre le processus de reconnaissance des compétences ou des titres de compétences auprès du SNEI. Ce n'est pas nécessaire pour les préposer aux bénéficiaires. Merci. Alors, ici en Alger, notre formation d'infirmier est en français. On est obligé de faire le TEF ou le TCF? Oui, c'est obligé pour toute personne qui veut immigrer au Canada. OK. Voilà, alors, pour moi, c'est les réponses... Pardon, Laura. Pardon, oui? Juste un complément, si tu permets.
rapport à ce que Matt vient de dire avec beaucoup de pertinence. On sait tous qu'il y a deux examens, TEF et TCF. Il faut vraiment choisir le TEF et TCF Canada, pas le TEF ou TCF généraliste. Il faut qu'on ait celui pour le Québec. Merci beaucoup, Matt. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Très bien. Merci pour cette information. Voilà, alors, est-ce qu'il faut forcément créer un profil entrée express avant de manifester son intérêt pour le Nouveau-Brunswick? Ça dépend du programme que vous choisissez. Ça dépend du programme. Si vous choisissez le programme entrée express pour créer un profil fédéral entrée express, vous allez avoir un certain nombre de points. Là, vous allez être dans le bassin. Vous allez avoir un numéro identifiant. Après ça, une fois que ça s'est fait, vous allez créer votre profil INB entrée express. Si vous rencontrez les 70 points que j'ai marqués tout à l'heure, ça vous donne 600 points de bonus à votre demande fédérale. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'être retiré du bassin de façon organique. Mais si vous réussissez à trouver un emploi, on peut aussi aller vous chercher directement dans le bassin avec un offre d'emploi. Bien. Mais si que vous appliquez l'initiative stratégique francophone ou si vous appliquez le travail qualifié export d'un employeur ou éventuellement par le programme d'immigration atlantique, vous n'avez pas besoin de créer un profil entrée express aucunement. OK, merci beaucoup pour les réponses. En fait, on n'est pas dans la mesure de répondre à toutes les questions, mais ce sont tous des questions qui se répètent pour le moment. Pour ceux qui ont partagé avec nous dans le clavardage leur courriel, leur information personnelle, on s'excuse, on peut pas répondre dans, on va pas utiliser vos courriels. Maintenant, il y a devant vous un survey. S'il vous plaît, prenez le temps pour répondre à ces questions. Ça ne va pas prendre deux, trois minutes, une minute, disons. Alors, dès que... Une minute? Oui. OK, une minute. OK. Est-ce que nous attendons le sondage, c'est ça? J'imagine, chaud. Excusez? Alors, est-ce qu'on entend le sondage ou on peut fermer? Mais oui, oui. Bon, attendez. Je vois beaucoup de remerciements dans... Voilà, alors, beaucoup de remerciements pour ces informations que moi, personnellement, j'ai bien appréciées. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette présentation. Et comme j'ai dit au début, essayez de consulter nos prochains webinaires pour différentes industries. Et maintenant, je demande à Opportunité Canada de fermer cette session avec un dernier mot pour pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Noha. Eric, souhaites-tu prendre la parole? Je voulais juste vraiment très sincèrement remercier d'abord les organisateurs, mes collègues Matt Frashton, Eric Thibodeau qui ont pris part à cette session, qui ont présenté toutes ces informations très pertinentes et précieuses. Remercier l'audience d'avoir pris le temps de se renseigner sur le Nouveau-Brunswick.
continuez à nous suivre sur les médias sociaux, à suivre notre site internet welcomenb.ca. C'est vraiment la première source d'information et la source d'information la plus fiable sur l'immigration au Nouveau-Brunswick. Que vous décidiez de vous faire accompagner dans vos démarches d'immigration ou pas, veillez à ce que vos démarches, d'abord l'information que vous cherchez soit pertinente, qu'elle vienne du gouvernement provincial quand il s'agit du Nouveau-Brunswick. Si vous décidez de vous faire accompagner, renseignez-vous là encore sur les démarches, les formulaires, les déclarations obligatoires à faire. On a hâte de vous accueillir au Nouveau-Brunswick. Merci encore de votre attention. Eric? C'est parfait, Adil. Merci. J'aimerais un peu la même chose que toi. Merci les collègues et les organisateurs pour cette belle initiative. J'ai vu qu'on était à plus que 480 personnes à un certain moment donné. Tous ceux d'entre vous qui sont soit levés tôt ou couchés tard, ils vont se coucher tard pour participer à cette session d'information. On souhaite juste que l'information véhiculée était appropriée et que ça a permis de répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous avez resté avec une fin pour des réponses, bien, vous avez toujours aussi accès à immigration@gnb.ca pour des questions plus précises et pointues selon votre statut personnel. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre des questions personnelles seulement là. Merci beaucoup tout le monde et bonne continuité. Mais... J'aimerais juste dire merci à tout le monde d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde a bien profité de les informations partagées aujourd'hui. Et alors, merci. OK, merci. Merci tout le monde d'être venu pour cette session. Et voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, bonne soirée et à la très prochaine dans d'autres présentations. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bye.